Hör ni mig bra? Medan vi tittar på den här lilla bilden här, som är från Megamind i Stockholm, så tänkte jag berätta om den här nya innovationen. För den här innovationen, den översätter, eller hur? Så att ni hör det här på French and English, right? Right into your ear now. Or it doesn't work? It worked. Okay. I'm not going to speak in Swedish all the time, but I'm just going to give the translators a hard time for a little while. Thank you so much for doing all this for us, and thank you for inviting us to this wonderful event. We're very, very happy to be here, and we also take this opportunity to let you know that in May next year, 2018, we are now trying to organize a conference that we greet you welcome to. You will hear much more about this, but just like a heads up. What you see is a couple of images from Megamind, our new science center. My name is Mariana, that's me. Yeah, my name is Maria. Maria's gonna talk more a little bit later. I'm a curator at this museum and I've been working with Science Center pretty much my adult life, and that's quite a while. I think that being in a science center and in a museum is like such a privilege, because we can really try to make a difference, an important difference. I'm going to start with a little bit of history, not much, but just a little. We work at the Science and Technology Museum in Stockholm, and that's a pretty old museum. It's been there since 1936, where it is right now. But it's a wonderful building, and we're doing stuff all the time to make it better and better. And actually, you can say museums in general are there to make things more accessible. In this case, it's been make technology more accessible. The new thing is now we know that we have to make it accessible for all. And this is what we are all trying to do very hard. One thing that happened, I skip all these things about we are great, we have a lot of objects and we have been doing all these things. But I think one of the greatest things is that we went from a very industrial-based, technology-steered museum to be much more about technology of today and how we use it in everyday life. And one big step forward towards that, to make young people more interested in technology and natural science, or science and technology if you wish, is that we in 1985 opened our science center, Technorama, which was the first science center in Sweden, actually in Northern or Scandinavia, but absolutely in Sweden. And you can see one picture from, there is one picture here from Technorama, Sweden's first science center in 1985. This is where we started to explore and hands-on science, and that's already there where a big leap forward when it comes to accessibility. We did another thing that was great, not so long ago, just a few years ago, we opened something that is called the Experimental Theater. It's been there for 10 years, but it's not there right now. But it's one of those theaters where you explore with all your senses, like shaking, the chairs are shaking, and there's a lot of, like you can feel wind and you can feel rain and all these things. And one thing we actually did there was a performance called A Shaky Adventure, and that was created by those to become the visitors later on. It was a co-creation, and we did this in collaboration with the governmental theater in Stockholm. Heter inte governmental, heter the national theater. Those are also the ones we collaborate with when we are working for this conference next year. And that was called A Shaky Adventure, and it was created by deaf and blind people. And we also invited a lot of deaf and blind people to experience this show. So all these things I'm telling you about
is in the background when we started to work on a new science center, where a place for inspiration, creativity and learning and innovation were essential, and that were to become Mega Mind, where we target families and children, schools and teachers. We also had now an extended goal, and that was to reach children and young people with different functional conditions, disability organizations and schools, etc., and also those cultural organizations that worked with this goal, which we did. We met about 50 or 60 teachers on a frequent basis and their groups. So about 800 children were involved with the creation of Megamind. We also involved our own staff, and we also invited a lot of both innovators and artists and so on. And we created these reference groups for accessibility. Research was an important part too. Teachers helped us reach the children, children of a lot of different ages and with different kind of needs. And we created family days where we tested everything. And we evaluated a lot. So we learned that we need evaluation in all stages of creation, the creation of a science center. And we wanted to make a science center for all. Together and for all was the two buzzwords we had, based on United Nations Declaration of Children's Rights. And we wanted to emphasize the fact that our brain is plastic. If this is news, you can dive into that issue later on, but the plasticity of the brain is really, really important and essential in Megamind. We wanted to create confidence in science. And this is how Megamind was built. You start with entering through a big ear, and then you come into a center hall, where it's also an association to the how the brain works. And this is where you can dance with synapses. This is one of the major halls where we can be very active, depending on what kind of function you have, then you can choose different ways of experience this exhibition. But on this side, it's pretty physical. While as on this other side, it's more towards the brain and how the brain works in general. And the layout of this tells you that we actually built an exhibition that is based on how the brain works. Like, first you gather information, you collect information, and then you connect, and after that you can create. So this is on the base floor. On the next floor, it's more about how we get ideas. So you kind of learn while you go there. And now, before Maria takes over, I'm just gonna go through a few slides that tells you this is a part about gather information, collect, about voices and sound and touch and feel, and this is about connect and reflect. This is about create. This is making sound together with others, and this is actually Håkan Lidbo's installation, an artist that made this, and this is what we were rewarded for last year by Hands on Science and Excite. The Mario Gago Prize we received with very big pride. This is building and construction, and then on the top floor you come to the inspire part. Out in space, inner space. And here you can also do this exercise when you, no matter what age you are, you can explore this installation. Yes, Marianne, she started with Mind Ball. And that's actually one of my favorites at Megamind. But I really have to struggle with that challenge to be concentrated, both concentrated,
focused and relaxed. And I don't know if I'm relaxed now, but I try to. Okay, my name is Maria, and I have a background as a teacher and have been working a lot with children with different needs. I started at the museum in January 2016. My focus is to be one part in development of exhibitions and pedagogic strategies for everyone. And it's really important to emphasize that we are striving to be all little genius favorites place. And by that I mean for everyone. Here I'm showing a little Einstein copy, and I have read that Einstein was a person with several different diagnoses. He had Asperger and also, I think, ADHD. So it's really good that the museum have a little Einstein as a role model for to reach the vision. And to reach as many as possible, we have a digital information system in Megamind that is absolutely amazing, I think. As a visitor, you have the opportunity to choose in what way you want information to be presented. You have sign language, symbol support for people with learning disabilities. And you can listen and have the text read out loud. You can also choose format, like larger or smaller text, and also choose contrast, like black with yellow text, as we have here at the conference. It's really good. And one more language, and that's English. In the exhibition, we also have a trackpad for blind persons or persons having concentration issues. And it's good because it's a way of a way to follow in the exhibition. So Megamind is a fantastic exhibition, but can we do better? How can we have children and young people with different functional variation to visit us even more frequently? We collaborated with hundreds of children during the spring 2016. And during the evaluation, there were three clear criteria that were identified as a part of a visit to the Museum of Science and Technology and Megamind. And as you can see here, more educators on site during the visit, visit Megamind under common condition, and security. With this as a ground for development, we formed the project Megamind Funkis, directly aimed at the target group, which are children with different functional variations. What's offered in Funkis, yes, is the same as for any other students who came to us to Megamind. We're not making special solutions, but know that everyone needs challenge in their own terms in order to succeed. Megamind Funkis is open the last Wednesday every month, and groups with special needs are welcome to book a visit. And also more than just every Wednesday, of course. And it's a success because it's been fully booked, and we will continue with the program during the autumn. During Funkis, Megamind Funkis, we have more educators who take care of the visitors, and we allow the smaller groups during that time and less group in comparing with a normal visit at Megamind. And that's also good to slowing the tempo down. To get the target group to trust and feel safe, we provided pre-visit information in form of a brochure available on the web, and also attachment to the booking. We received very positive feedback from teachers who think it's a great way to talk about and view pictures before the visit as a way of preparing students for what to expect.
We have also produced a short movie with the same information and in sign language. Sorry. Additional ways to create security are based on education. At the Museum of Science and Technology, the entire staff has participated in training courses to feel secure and to meet target groups in the very best way. The educator in this slide is trying out the museum with blindness simulating goggles. The educators have also participated in courses in recognizing different diagnoses. These programs will continue in the autumn. We're also working with our policy and doing checklists so that the vision to be for all can continue. I'll summarize our most important lesson learned. Good for one is good for everyone. In general, good for everyone. Change takes time, and we always find things we can do better. For example, the works towards the schools are just in the beginning. And Megamind has received great attention. And we have also now extended our work with accessibility so that we can become, also include the question of democracy more than before. And by doing this, just a few words about our future and vision, 1 minute. And we're going to continue on a path we started where we open the museum much more for audiences. In weekends, we have also started working with a bus on tour, and everything is to reach out to more and to broaden our area of visitors or actually people getting in touch with the museum. And we are now also opening spring, and it's something called the Mathematical Garden. And why is that accessible? Well, it's going to be open around the clock, all the year around. And all of these things we have now planned for everyone. We also try to include whatever we have learned during this process with accessibility in the museum and in Megamind. So again, welcome to Stockholm in May next year. And thanks again for inviting us. Merci Mariana et Maria pour ce duo passionnant sur ce nouveau lieu scientifique. Alors on va avoir 5 minutes, 10 minutes pour prendre des questions qui peuvent être sur l'un de nos intervenants ou sur plusieurs des intervenants si c'est une question plus transversale. Monsieur devant. Bonjour, Nicolas Karadzievitch, je suis fondateur d'une start-up qui s'appelle Tiresias et qui traite du handicap pour en faire un levier de performance. Alors moi j'avais deux questions, l'une à la personne de France Télévisions sur la place, je dirais, de la dimension participative finalement des utilisateurs, en tout cas des personnes qui consultent des programmes soit sous-titrés, soit en LSF ou audio décrit. Donc cette place de la dimension participative avec des outils comme Avamétrie par exemple, qui aujourd'hui permettent de pouvoir justement faire des feedbacks sur la qualité des programmes qui sont proposés, savoir justement comment se positionner aujourd'hui France Télévisions, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, peut-être probablement le développement d'une plateforme pour impliquer davantage les utilisateurs ou en tout cas les personnes qui consultent ces programmes-là. Aujourd'hui, il y a déjà des outils qui permettent ce genre de proposition. L'autre question que j'avais était à l'intervenante, effectivement, plutôt sur la dimension du patrimoine. Aujourd'hui, de savoir quelle était la place de la dimension innovation sensorielle, puisque le numérique, c'est très bien, on parle de formation, on parle de numérique aujourd'hui. Quelle était finalement la place aujourd'hui des autres sens, moi qui suis moi-même non-voyant, savoir aujourd'hui finalement comment est-ce qu'on pouvait trouver cette complémentarité entre
l'aide humaine, donc les personnes qui sont présentes sur site et leur formation, la dimension numérique qui est aujourd'hui un élément majeur, et aussi cette dimension sensorielle qui, à mon avis, peut permettre de valoriser le patrimoine. Merci à vous. Merci pour votre question. Alors, en ce qui concerne France Télévisions, il y a deux matières de retour utilisateur. Il y a le service relation téléspectateur qui est fait pour ça, dont le métier est justement de jauger les audiences. Et je suis d'accord avec vous, il mérite notamment de travailler sur l'accessibilité de son interface et sur la variété des retours qu'il va être capable de traiter, notamment en lien avec la multiplication des solutions d'accessibilité disponibles. Je veux dire qu'on va désormais bien au-delà du sous-titre. Tout de même, aujourd'hui, je peux vous dire que émane de ce service relation des téléspectateurs en termes de soucis techniques ou d'appréciation de qualité. Plus de la moitié aujourd'hui, d'après ce qu'on m'a dit, des incidents remontés concernent le sous-titrage. Donc on sait que c'est de toute façon un grand gisement de progrès pour nous. La deuxième partie de votre question, ma deuxième partie de réponse du moins, concerne cette plateforme sur laquelle on réfléchit. Là, on est plus sur justement proposer des alternatives qui peuvent paraître peut-être extrêmes ou pas suffisantes au regard notamment des souhaits de plusieurs associations, voire même contraire aux souhaits des uns et en adéquation avec les souhaits des autres. Et justement, notre l'idée de cette plateforme, c'est d'aller faire des essais avant de se lancer dans la construction d'un processus industriel qui va concerner les contenus de France Télévisions sur plusieurs années. Donc là, l'idée de cette plateforme, c'est justement de se donner le droit de faire des essais tout en l'identifiant plateforme d'innovation et non pas justement se retrouver coincé avec on a initié quelque chose, mais ça ne semble pas plaire à certains, alors du coup, on n'a pas l'air d'y aller vraiment et c'est très très frustrant pour ceux qui avaient trouvé l'idée bonne. Là, au moins, on identifie cette plateforme d'essais et derrière, lorsque l'on peut faire un rapport au grand jour sur les bénéfices et les retours qu'on a eus sur cette plateforme. Après, effectivement, on est beaucoup plus armé pour expliquer les décisions qu'on prend. Pour répondre à la deuxième question de monsieur sur le sensoriel dans la médiation accessible, peut-être, Alexandra, oui. tu peux dire quelque chose. Pardon. Oui, pardon. Je n'ai pas précisé effectivement tout à l'heure, mais en fait, on travaille toujours dans une complémentarité de la médiation. C'est-à-dire que le numérique ne remplace pas un autre en fait dispositif ou ne remplace pas la médiation humaine. On travaille vraiment dans cette complémentarité des moyens de visite en fait. C'est-à-dire qu'en tant que visiteur, on essaye de vous proposer le maximum de support ou de moyens de visite, et c'est à vous de décider ce qui vous convient le mieux. Et vous pouvez, donc s'il y a un médiateur humain et que ce jour-là, vous n'avez pas envie de suivre un guide, en fait, bah, vous pouvez avoir d'autres supports de visite. Sur la dimension sensorielle, ça veut dire que, par exemple, on propose... notamment, on parlait du handicap visuel. Je reprends mon exemple de Locmariacaire, où donc on a un cairn. Et pour quelqu'un donc qui ne voit pas et qui n'a jamais vu, c'est peut-être compliqué de savoir qu'est-ce que c'est qu'un cairn. Donc on a proposé en fait, grâce à une modélisation 3D, en fait une maquette modèle réduit, hein, bien évidemment. Qui permet en fait de toucher, d'explorer et de comprendre ce que c'est et comment c'est fait. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et on pense notamment aussi peut-être à... on est en train d'essayer de mettre ça en place aussi, de la médiation... j'ai perdu le mot... sonore, voilà, je vais y arriver, merci. Avoir des ambiances en fait sonores, où notamment dans les monuments qu'on gère, on a par exemple l'abbaye du Thoronnais dans le sud. Et la particularité de cette abbaye, c'est que dans le cœur de l'église, il y a une acoustique qui est absolument extraordinaire, qui est une des plus belles acoustiques d'église d'Europe. Et quand vous faites la visite avec un guide, le guide, d'un coup, vous y attendez pas, en général, se met à chanter a cappella comme ça, quelques,
un petit peu et enfin, vous avez la chair de poule. Et en fait, quel meilleur moyen en fait, de se rendre compte de ce qu'était ce lieu et à l'époque où il y avait donc tous ces moines et de l'importance du chant aussi à cette époque-là. On peut rajouter peut-être que dans les, certains musées d'art, hein, on déploie de plus en plus de... Tu parlais de reproduction 3D, de reproduction 3D d'œuvres, de ce qu'on appelle de la 2D et demi, qui permet aussi de toucher des œuvres d'art, hein, et de, du coup de ressentir le trait du pinceau. Et ça a été déployé par exemple au musée du Prado ou au musée du Louvre, et on se rend compte en fait que même si ça a été conçu plutôt pour des visiteurs aveugles, on se retrouve en plein dans une conception universelle puisque ça intéresse aussi les enfants ou les familles ou les adultes qui ont toujours rêvé de toucher une œuvre de Van Gogh sans jamais pouvoir le faire, qui du coup le font avec ces outils-là. Vous vouliez rajouter quelque chose, mesdames de Suède, sur cette approche sensorielle ? This is the biggest challenge we have, of course, in the museum environment. But I think the most important is that the museum is done so that you feel you can explore in the museum, so that we avoid all the obstacles that was there before. So, I mean, that's a big leap forward if we can do that. But to be more precise, I think in Megamind we have tried to use all our senses. So we, for example, have a place where you can determine different herbs by smell. We have one place where you're supposed to experience like music with just vibrations. And we have one place where you can challenge yourself in a tactile memory. Rather than, you probably know this, you touch and feel and you can determine what it is, but this time you have an extra challenge to try to find the same one. Can you think of something else? We have a maze where actually if you're visually impaired, you have probably better chances than the rest of us. Running through that maze, you're supposed to tag down some information you get, and then after you get a challenge, what did you catch of this, and so on. These are just some examples that I can think of right now. Thank you. On va peut-être prendre une dernière question. Oui, donc une petite question pour Alexandra. Alors j'entends bien l'importance d'avoir quelques développements spécifiques, mais j'ai quand même toujours une interrogation sur ces entrées par type d'handicap qui sont très fréquents en France. C'est même préconisé par le ministère de la Culture. Si moi je suis par exemple dyslexique, je suis donc handicap cognitif, hein, et je trouve que il peut avoir une certaine stigmatisation de l'utilisateur qui est obligé de rentrer par une définition d'handicap. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi, si vous avez vu même des utilisateurs qui ont exprimé un certain regret de cette manière d'aborder la chose, ou si c'est totalement normalisé et ça, aujourd'hui, ça ne pose pas de problème ici en France. Et juste pour compléter la remarque de Cathy, que je voulais poser la même question tout à l'heure, tu parles souvent de conception universelle, mais là, la borne prototypique, elle est en fait, c'est presque à contre-courant de la conception universelle par cet affichage des handicaps. Oui. C'est totalement assumé. C'est une question très intéressante pour laquelle nous avons eu déjà, rien que nous en interne, beaucoup de débats. Au sein de la RECA et notamment du groupe Nouvelle Technologie, aussi avec nos pairs dans les autres établissements, nous en avons beaucoup parlé. D'un établissement à l'autre, vous verrez d'ailleurs qu'il y a des choix un petit peu différents parfois qui sont faits. Et cette question de la stigmatisation, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup posé. Et
Je parlais tout à l'heure du fait qu'on travaillait avec des associations. Moi, je travaille donc au Centre des Monuments Nationaux au sein de ce qu'on appelle le siège. Voilà. Et après, donc, on a différents monuments dans le territoire. Donc, les associations avec lesquelles on travaille, elles sont nationales et avec aussi des antennes locales. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que déjà entre l'association nationale, les antennes locales et même d'une antenne à l'autre suivant la région, sur ces questions-là, il y a aussi des divergences. Donc en fait, à un moment donné, on a dû, et c'est aussi une des réflexions qui avait eu lieu au sein des établissements, au sein du ministère, c'est qu'à un moment donné, en fait, déjà, il y a des représentants différents, et j'ai envie de dire, c'est comme pour tout, hein, donc, qui ne vont pas avoir la même idée pour tel ou tel type, par exemple, de handicap. Et après, notamment, par exemple, je prends l'exemple du handicap mental, il y a tellement de handicaps différents, justement, que du coup, on ne peut pas aujourd'hui, en fait, forcément avoir, et c'est ce qu'on s'est rendu compte, justement, en travaillant sur ce projet et avec le retour des associations et des gens qui ont testé, voilà, c'est que on peut pas être parfait, en fait. Donc on essaye d'être les meilleurs possibles, mais on peut pas être parfait. Et cette question de la stigmatisation, finalement, ils l'ont balayée en fait eux-mêmes en disant que eux, ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir se reconnaître, en fait, savoir où est-ce qu'ils doivent aller. S'ils doivent chercher partout, ils vont pas, ils vont pas trouver, en fait, forcément le contenu qui leur est nécessaire. Donc ils préfèrent que ça soit nettement affiché, que tel ou tel contenu, en fait, soit vraiment pour eux, en fait. Mais ça correspondra pas, effectivement, pour forcément tout le monde. Et rien que sur la question, par exemple, de la LSF, qui pourrait être assez simple, la question de la LSF, comment dire, nous, on propose donc à chaque fois le sous-titrage en français, qui est un sous-titrage qui a été revu par rapport au texte, de façon à ce que ça corresponde en termes de compréhension. Tout le monde n'est pas d'accord sur la présence ou non de ce sous-titrage. La personne chez nous qui est référente pour les publics sourds et qui est sourde elle-même travaille avec Paris 8 sur la question du vocabulaire aussi, puisque le vocabulaire, et notamment pour tout ce qui est histoire de l'art et patrimoine, évolue, et notamment le vocabulaire sur la préhistoire, quand on parle d'orthognèse ou de choses comme ça, ça devient compliqué à expliquer. Déjà pour tout un chacun. Donc en plus, en langage des signes, c'est encore plus compliqué. Donc ils cherchent, en fait, il y a une recherche qui est faite permanente pour améliorer la LSF pour le patrimoine. Et c'est la même chose, en fait, pour les interfaces, l'ergonomie qu'on va proposer, le type de contenu aussi pour toutes les formes, en fait, tous les visiteurs, en fait, quel que soit son handicap. Et prenons aussi l'exemple, par exemple, des visiteurs étrangers qui sont pas du tout de notre culture, j'ai envie de dire, judéo-chrétienne. Qu'on a en Europe. Quand on leur parle, par exemple, de tel roi, tel... certains concepts sont pour eux complètement inconnus. Donc, du coup, c'est pareil. Il faut aussi leur expliquer. Et ça aussi, c'est une forme, en fait, de difficulté d'accès, voilà, à la culture. On va s'arrêter là. Merci pour vos interventions et merci pour vos réponses supplémentaires en fin de présentation.